Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui de nouveau pour une vidéo haul. Oui, effectivement, encore un haul. Car vous savez tous, les soldes, ça ne va pas tarder à commencer et tous les magasins sont déjà en promotion. Enfin, la plupart, voilà, commencent déjà à solder. Il y a des ventes privées, il y a ceci, il y a cela. Il y a la tentation. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé quelques petites choses assez sympas, notamment un bon plan que je vais partager tout de suite avec vous. Alors, je sais pas si vous connaissez le magasin MS Mode. Donc le magasin MS Mode, c'est un magasin dit de grande taille. Bon, vous pouvez trouver de la taille standard, mais ça va au moins jusqu'au 52 ou 54, il me semble. Voilà. Et j'ai trouvé des petites merveilles là-bas, non pas dans les vêtements, mais dans les bijoux, car en ce moment chez MS Mode, je sais pas si c'est dans tous les MS, mais vous avez tous les bijoux à moins 50%, tout simplement parce qu'ils vont changer de fournisseur. Alors ils avaient déjà de très très beaux bijoux et maintenant apparemment ça sera encore plus joli. Et toutes les petites perles qui restent en magasin, en tout cas, vous les avez à moins 50%, donc autant vous dire que j'en ai pris. On commence tout de suite. Alors j'ai pris pas mal de bijoux type collier et bagues. On va commencer par les colliers. Alors il y a en premier celui que je porte, voilà, qui, donc là c'est une chaîne souple et là vous avez un petit truc dur, je sais pas, en argenté. Ensuite, toujours collier, j'ai trouvé ce magnifique collier. En fait c'est un petit dégradé de couleur. Vous avez du corail, il s'attire après vers le rouge, comment dire, pas rouge rouge mais plutôt rouge framboise, et il est doré. Voilà, je trouve que porter tout à fait mon type de collier. Autre collier, alors celui-ci c'est une pure merveille, je le trouve magnifique. Voilà, il est gris taupe, plus gris que taupe. Bon, derrière il est comme ça. Et il était à 7,99€. Voilà. Il est magnifique. Et dans le même délire, j'ai pris celui-ci qui est vert d'eau. Cette fois-ci, il est en doré à 7,99€ également. Ensuite, celui-ci... Voilà, il est un peu plus lourd celui-ci, il faisait 8,99€. Voilà. Un autre collier dans les bleus cette fois-ci, bleu, bleu marine, bleu roi et bleu marine. Voilà, avec une chaînette argentée à 8,99€. Voilà, donc vous enlevez 50% du prix. Hein. Cette fois-ci, avec une chaînette dorée et il est, on va dire... rose mauve, hein, plutôt mauve que rose. Voilà, toujours un magnifique collier. Ça habite tout de suite une tenue, de toute façon, c'est comme les foulards, c'est comme le rouge à lèvres, c'est comme le vernis à ongles. Bref, c'est comme les accessoires en général, ça différencie une tenue, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Un autre collier avec une chaînette dorée qui est noire cette fois-ci, qui était à 9,99€. Alors pareil, celui-ci, une pure merveille. Il est vraiment très 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 joli. Il est tout léger. Ensuite, je me suis pris celui-ci qui était à 7,99€. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Porté, il va faire un carton. Dans le même style. Cette fois, c'est un peu effet feuille. Il était à 11,99€ celui-ci. Ensuite, toujours en doré, j'ai celui-ci avec plusieurs petites chaînettes ici qui était à 7,99€. Ouais, elle est magnifique. Et pour finir avec les colliers, j'ai celui-ci qui est en argent. Voilà, qui rend également... son petit effet. Ensuite on va passer aux bagues, car j'ai trouvé pas mal de bagues. Donc la première que j'ai prise, elle est comme ça, elle était à 3,99€. Voilà, donc ça donne ça, hein. Portée. J'ai pas ce style de bague, donc ça change, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris celle-ci qui est rose, qui était à 4,99€.
Voilà. Elle est vraiment magnifique. Sur de l'argent, enfin de l'argent. Un métal argenté. Ensuite, à 4,99, j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Franchement, j'adore. Toujours à 4,99, celle-ci en orange. Voilà, ça irait très très bien avec mon vernis aujourd'hui. La même, mais à 3,99 en grise avec un métal argenté. Voilà. Ensuite, à 4,99, une superbe bague comme ça, avec un gros strass, enfin une pierre verte, sur de l'argenté. Ensuite, une grosse pierre bleue roi à 4,99. Voilà. Des petits cœurs comme ça. Pas si vous allez bien voir. Voilà. À 2,99 ces petits cœurs. Et j'ai pris exactement le même en doré. Voilà. Donc ça, c'était pour les bagues. Et j'ai pris également une paire deux boucles d'oreilles à 5,99 avec un beau vert émeraude. Franchement, il est super. Et c'est la seule paire de boucles d'oreilles que j'ai prise parce que j'arrivais pas à me décider. Voilà. En fait, j'aime pas. Enfin, si j'aime les boucles d'oreilles pendantes, mais j'en porte pas tant que ça. Donc finalement, donc j'ai encore des achats à vous montrer. Cette fois-ci, j'ai été chez Decathlon. Donc là, vu que les beaux jours arrivent, ils sont là même, j'ai envie de dire. Moi, ça me donne envie de courir et de ne plus aller à la salle de sport, franchement. Donc, du coup, je me suis acheté des chaussures et un équipement pour courir. Alors, pour commencer, je me suis pris une paire de baskets spéciales course qui sont vraiment très très laides. Franchement, elles sont immondes. Mais bon, c'est fait pour courir, donc voilà, j'ai pas investi plus que ça, j'avais pas spécialement envie. Je les ai payés 19,90€ ou 19,50€, quelque chose comme ça. Donc ça valait le coup. Ensuite, toujours chez Decathlon, je me suis pris un sweat rose. Voilà, à manches longues. Pour qu'on me repère dans la nature. Si un tueur en série passe, on verra de loin. Pas pour le tueur, hein, pour les gens au cas où on aurait besoin de me sauver. Ensuite, je me suis pris un pantalon style legging. Alors tout ça, je vous montre, c'est la marque de Decathlon, hein, Domios. Voilà, donc j'ai pris un long. Voilà. Celui-ci, il était à 16,99€. Et j'en ai pris un autre plus simple, toujours de chez Decathlon. Domios. Voilà, long également, parce qu'il m'en faut plusieurs. Et celui-ci, il était à 6,99€, il me semble. Voilà, donc pour Decathlon, pour courir, c'est tout. Enfin, j'ai pris un soutien-gorge de sport, mais je vais pas spécialement vous le montrer. Ensuite, on va parler d'autre chose, car une fois qu'on rentre du sport, on se lave. Notamment les cheveux. Et j'ai acheté une gelée éclaircissante de chez Garnier, donc je ne l'ai pas encore testé, je vous avouerai, je l'ai acheté hier. Donc c'est un effet en fait pour éclaircir les cheveux, on peut le mettre sur la racine, sur les pointes ou sur tous les cheveux. Vous mettez ça soit sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés et vous le rincez pas en fait, et ça éclaircit progressivement la couleur de vos cheveux. Il y a écrit effet méché ou effet tie and dye, donc pourquoi pas. Si vous le mettez sur les pointes, ça fera un effet tie and dye. Sinon, vous pouvez en mettre en parcimonie sur les cheveux pour avoir l'effet méché. Ou alors, voilà, pour mettre complètement sur vos cheveux pour avoir vraiment un éclaircissement naturel de vos cheveux. Par contre, ils disent que c'est sur cheveux châtains ou blonds et pas sur les cheveux qui sont plus que châtains. Parce qu'après, ça abîme forcément les cheveux. C'est pas recommandé non plus.
Voilà, et ils disent ne pas appliquer sur les cheveux colorés. Donc moi, j'ai un restant de mèche dans les cheveux, donc on verra, mais j'ai déjà testé ce genre de produit et franchement, sur cheveux méchés, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça se présente sous gelée, sous forme de gelée, c'est assez liquide, donc je veux pas trop. Ça sent assez bon. Donc eh ben, écoutez, je vais tester, je vous en reparlerai peut-être dans un top ou dans un flop. Donc j'ai fait également des achats vêtements, notamment chez MS Mode, vu que j'ai acheté des bijoux. J'en ai profité pour prendre un pantalon style sarouel. Et j'ai également trouvé une paire de chaussures chez Jacqueline Riu. Voilà, et je vous mets tous les prix et en même temps que je vous montre les vêtements portés. Voilà, j'espère que mon haul vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.